Salut! Cette vidéo est la première d'une série d'une douzaine de vidéos sur l'installation complète de l'électricité dans un Kangoo 2 phase 2 avec le panneau solaire et la charge via l'alternateur. Étant donné l'ampleur de la tâche, sa difficulté et ses conséquences s'il y a un problème, à savoir malheureusement un incendie dans votre véhicule, ou un panneau solaire qui se décroche de votre toit pendant que vous roulez. Sachez que je suis qu'un amateur en électricité et en mécanique, et que vous êtes seul maître de vos actes. Les vidéos vont être très longues, très détaillées, très denses. C'est ma façon de faire en général. Donc si vous avez la même voiture que moi, et que vous avez plein de questions sur comment mettre l'électricité dedans, en général, hein, bah vous êtes au bon endroit. Je vous conseille de vous aider des chapitres YouTube que j'ai mis dans la description. Et également, je vais mettre plein de vidéos dans la description que vous pourrez aller voir pour fournir des informations supplémentaires et dites par des professionnels sur tout. Qu'il faudra voir pour comprendre vraiment la totalité d'une installation. Et concernant le nom des marques, bah, je vais les citer, mais sachez qu'il n'y a pas de partenariat. C'est plus pour information, pour que vous sachiez où j'ai acheté les produits. Et voilà, bon visionnage. Ok, là vous pouvez préparer le support du matériel électrique. Il va falloir que tout rentre là-dedans en gros. Et vite fait, pour vous situer, le Kangoo à l'intérieur, il ressemble à ça. C'est un Kangoo Maxi qui date de 2019, donc c'est un Kangoo 2 phase 2, 1,5 litre DCI 90 chevaux à la norme Euro 6, donc avec alternateur intelligent. On verra ça après. Alors concernant le matos solaire, alors moi j'ai acheté chez MyShop Solaire, j'ai utilisé leur simulateur de consommation électrique sur leur site. Ils m'ont fait deux propositions, puis j'ai pris la moins chère et hop. Donc le panneau solaire, il fait 115 watts pour fournir du 12 volts, car mon installation sera en 12 volts pour ce qui est du panneau, de la batterie. Voilà, c'est basé sur du 12 volts. Il fait 1,2 m par 67 cm. Parce que je suis assez limité sur le toit du Kangoo quand même. Et je vais encore me conserver la place pour pouvoir mettre un lanterneau au cas où. Voilà. Ensuite, ce qui est directement branché après le panneau solaire, c'est le régulateur de charge. Je vous mets une vidéo de MyShop où il y a un gars qui explique comment choisir son régulateur entre les deux grands types de régulateurs qui existent, à savoir MPPT et PWM. Allez voir, c'est intéressant. Et quand vous bougez le MPPT, vous inquiétez pas s'il y a un petit bruit. Les gars de MyShop m'ont répondu que c'est normal car il y a du sable dans les petits MPPT pour la protection thermique. Voilà. Ensuite, ce qu'on va brancher juste après le MPPT, c'est la batterie. Alors, quand je parle que ça vient après, je ne parle pas de l'ordre de montage. L'ordre de montage, vous le verrez dans la suite de la vidéo, mais en gros, c'est toujours la batterie en premier sur le MPPT et après le panneau solaire. C'est comme ça dans toutes les vidéos d'exemples de montage sur la chaîne de MyShop Solaire. Il y en a une bonne dizaine. Et à chaque fois, c'est la batterie en premier sur le MPPT. Et on peut aussi le voir dans la documentation technique du MPPT. Donc, tac. On va dans le guide d'utilisation. La partie FR est vers la page 30. Voilà, ça commence là. Et ici, il y a le montage. Voilà. Séquence de connexion des câbles. La charge. Bon, ça, c'est au cas où on brancherait quelque chose ici. Apparemment, c'est le load en premier, mais moi j'en aurai pas. J'aurai seulement batterie et panneau solaire et je ne brancherai jamais quelque chose ici, même si ça peut se faire. Je pense qu'ils parlent de ça quand ils disent la charge. Et après, ils disent la batterie
et après les panneaux solaires. Mais sachez que ça, c'est dans le cas d'une installation où il n'y a seulement que ces trois éléments, le panneau, le MPPT et la batterie. Parce que quand on commence à mettre d'autres éléments tels que le battery protect et la BMV et le convertisseur, et bah le panneau on le branche en dernier, et ça vous le verrez dans les vidéos que je vous passerai sur le battery protect. Là il y a des montages qui sont faits par MyShop Solar avec des schémas et ils disent bien le panneau en dernier. Donc de manière générale c'est plutôt le panneau en dernier quand l'installation grossit. Bon, ensuite voilà le convertisseur. C'est un pur sinus, c'est-à-dire que c'est le type de convertisseur qui pourra au mieux fournir un courant alternatif avec une belle forme de sinusoïde. Et ça, c'est ce qu'attendra mon transformateur d'ordinateur portable. Donc grâce à ça, j'ai le moins de chances possible d'endommager le transformateur de mon ordinateur portable. Ou peut-être que même il fonctionnerait pas avec un courant qui serait pas pur sinus. Je vous mets une petite vidéo pour voir la différence entre un courant généré par un pur sinus et généré par un pseudo sinus. Je vous mets également une autre vidéo pour voir le branchement d'un convertisseur dans une installation solaire, dans le cas où on a un panneau solaire, un régulateur, une batterie et un convertisseur. Et voilà la BMW 700. Ça nous permettra d'afficher les informations de la batterie. C'est celle qui est sans Bluetooth. J'ai voulu économiser un petit peu ici. Il y a un petit fil rouge avec un fusible qui sera connecté sur le plus de la batterie. Un câble téléphonique RJ12 pour relier la BMW sur le shunt. Le shunt, c'est là-dessus qu'est branché l'abornement de la batterie. Et le reste sera branché sur l'autre borne du shunt, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que je vous ai indiqué à la fin du convertisseur. Et ça, c'est la BMW. Là, ça, c'est le petit truc qui se met sur l'écran pour le rendre de forme carrée. Ça, c'est un plan de montage assez simplifié, mais pour un plan de montage un peu plus complet, je vous passe une vidéo. Et dans cette vidéo, allez à 3 minutes 13 pour avoir le plan de montage avec les éléments de base et une seule batterie. Il y en a d'autres aussi, vous pouvez voir. Voilà le battery protect. Ça se branche entre le plus de la batterie et le plus du tableau de répartition 12 volts. Le tableau de répartition 12 volts, c'est là où il y a tous les fusibles pour vos appareils 12 volts. Moi, ça sera le ruban LED et le chargeur de téléphone portable. Et en gros, le battery protect, il va regarder la tension de la batterie, et quand elle sera trop basse, à une certaine valeur qu'on peut configurer, il va ouvrir le circuit pour cesser d'alimenter le tableau de répartition. Et le petit câble noir, il se branche entre une des bornes vertes du battery protect jusqu'au moins de la batterie. Donc j'imagine qu'il ira sur le moins du shunt. Je vous mets une vidéo pour le montage du battery protect. Alors ça, c'est le chargeur Orion. Donc ça permet de choper l'électricité générée par l'alternateur du véhicule et de recharger sa batterie en roulant. Alors je vous passe déjà une vidéo excellente qui parle de l'Orion et aussi du coupleur séparateur Cyrix qu'on connaît pas mal dans le milieu du van aménagé, pour bien comprendre la différence entre les deux. Le minimum à savoir entre le Cyrix et l'Orion, c'est que si votre véhicule il a une date de production supérieure ou égale à 2011 et qu'il est à la norme Euro 5 ou 6, il a de très fortes chances d'avoir un alternateur intelligent, et du coup le Cyrix ne marche plus du tout, ou presque plus. Voilà, donc à partir de ces normes là il vaut mieux prendre un Orion. Et du coup, avec tous ces appareils, le plan de montage il commence à devenir un peu compliqué. Mais j'ai trouvé une vidéo sur la chaîne de Victron Energy, donc c'est ces appareils-là, je vous la mets en lien, qui parle de la recharge par l'alternateur. Comme elle fait une heure à peu près, je vous mets le plan ici. Et le timecode du plan dans la vidéo, c'est 19 minutes et 5 secondes.
Et donc c'est un plan qui est vraiment nickel pour moi parce qu'il contient pratiquement tout. Il y a tout sauf la BMW. Précision importante, ça ne contient pas les fusibles qu'il faut savoir placer. On verra ça après. Et ce plan est un exemple pour le lithium super pack. Mais comme il n'y a pas l'appareil qui protège la batterie lithium, à savoir le BMS sur ce plan, bah ça me convient parfaitement. Et j'ai juste à mettre ma batterie plomb carbone à la place et hop. Et s'il n'y a pas le BMS sur cet exemple, et bien d'après ce que le gars dit, c'est parce qu'il y a une protection interne dans cette batterie-là. Alors, à propos de ce plan, ce qu'il faut juste comprendre ici, c'est qu'en gris, c'est la batterie moteur, et là, c'est l'alternateur. Et le branchement de l'Orion pour les fils qui vont jusqu'à la batterie, ils vont seulement jusqu'à la batterie. Là, les fils qu'on voit aller jusqu'à l'alternateur, c'est ceux qui sont déjà en place sur le véhicule. Alors, dans le reste du colis, bah, il y a des cosses, un porte-fusible, des fusibles, enfin, il y a plusieurs porte-fusibles. Voilà, un autre porte-fusible. Et les fils électriques qui vont faire à peu près toute l'installation. Et petit détail, dans les propositions de panier que m'avait fait MyShop, il y avait deux bobines noires, donc j'ai cru que j'allais pas recevoir de bobines rouges, mais je suis bien content, ils m'en ont filé une rouge. Parce que quand même, pour le positif, il faut que ce soit en rouge, quoi. Ok, maintenant qu'on a vu tout le matos, je réfléchis au positionnement des appareils. Alors, je pars un peu sur ça parce qu'il faut que le convertisseur il soit accessible de l'extérieur du lit, au niveau du couloir, donc il y aura un petit trou pour brancher, quoi. Il faut également penser aux zones qui servent à dissiper la chaleur des appareils, parce que sous le MPPT, sous l'Orion et sous le convertisseur, c'est des radiateurs. Enfin, surtout l'Orion, quoi. Là, on voit bien qu'il y a plein de barres en métal pour dissiper la chaleur. Et donc je pense que je vais surélever le convertisseur avec des petits tasseaux sur les côtés, comme ça il y aura de l'air libre en dessous. On verra ça après. Et là je pense que j'ai trouvé la position, une bonne position quoi, c'est que l'Orion il était à la verticale. Donc je vais devoir confectionner une petite planche verticale aussi pour visser l'Orion dessus. Et ensuite le shunt et le battery protect, là que je suis en train de bouger, j'essaie de trouver une position. Mais après, ce qui va finaliser la position, ça va être le câble management. Et ça, c'est pas gagné, parce qu'il va falloir un peu prendre en compte la longueur des câbles et aussi, si possible, le rayon de courbure minimum. C'est-à-dire, en gros, de ne pas trop courber les câbles. Il y a une limite à ne pas dépasser. On verra ça après, quand je commencerai à faire des branchements.